Le président, veuillez vous asseoir. President, please be seated. Now the chamber, à présent, hear the statement of harm and suffering of another civil party, 2TCCP 1049 through audio visual link from Paris, France. Et ce par vidéoconférence depuis Paris. The chamber also would like to inform parties and the public that during the hearing of the statement of this civil party, Madame Clarisse Lagor will be sitting Madame next to the civil Clarisse party to provide Legault emotional support. Prendra place aux côtés court officer, is de the arrangement of the Ozul visual link ready? Est-ce que la liaison est établie? Good afternoon, Madame Civil Party. Bonjour, Madame la Partie Civile. Civil Party. Good afternoon, la Partie Civile. Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. President. What's your name? Le Président. Comment vous appelez-vous? Answer. Réponse. My name is. Je m'appelle ROS Chuor Siy. ROS Chuor Siy. My husband is ROS Saran. Mon mari s'appelle ROS Saran. Question. When were you born? Question. Quand êtes-vous né? Answer. Réponse. I was born on 20 September, septembre 1938. Question. Question. Where is your current address? Où résidez-vous actuellement? Now I Réponse. Live in Paris. À Paris. En France. 19 Street of France. Question. Question. Quelle est votre What profession is your actuelle? Occupation. Réponse. Je Answer, suis à la retraite. I am a retiree. Question. Question. Comment What s'appellent are vos the parents? Names of your parents? Réponse. Answer, mon père. My father's name is Joim. Ruhim. Ma mère. My mother's name is Chailane. Chailane. Question. Question. Combien d'enfants How many avez-vous? Children do you have? Réponse. Answer. I have three enfants. Children. President, thank you, Merci. Madame Civil Party. Madame Ruh Chuor Siy, as a civil party, you may make a victim's impact statement, faire une déclaration if any, sur le préjudice concerning encouru, the crimes which ce, are alleged against the two accused, Nuncha et Kyo Sampon, and harms inflicted upon you vous during the Democratic Cambodia sur, Le resulting qui in vous your a civil party application sous le Cambodia démocratique, collective ce qui vous a poussé and à moral vous constituer reparations par civil pour demander des réparations morales et collectives. For physical, suite aux souffrances material, physiques, matérielles or mental ou injuries, mentales, as directed consequences en of those crimes. Des crimes allégués. Now you may proceed. Je vous en prie. With the Statement of your suffering Madame, and harms. Vous pouvez prononcer cette déclaration. Civil party. La partie Good afternoon, civile. Mr. President. Bon après-midi, Monsieur le Président. When we received the news that Phnom Penh was Quand liberated, nous avons appris la libération de President Phnom Penh, interrupted. Le Président interrompt. Madame civil party, please Madame la partie civile, stop a moment. Veuillez marquer un temps d'arrêt. Madame civil party. Litco lawyers, civil party litco lawyer, do you have any questions? Est-ce que les co-avocats principaux souhaitent poser des questions? Madame Chuor Siy, please stop for a moment. Madame, veuillez patienter. Because we would like to hear from the litco lawyer for civil party. Les co-avocats principaux pour les parties civiles souhaitent intervenir.
Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. In fact, we had planned to put questions to the civil parties, or at least to put a first question to her, so that she may start with her statement that she prepared. But I see that she can manage very well on her own, but maybe we should proceed as we had planned, because that's the way we organize ourselves with the civil parties. So, good afternoon, Ms. Ross. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? La partie ville. Oui, je vous entends. Civil party, yes, I can hear you. Pour vous permettre de démarrer cette déposition, to begin with, your testimony, je voulais simplement rappeler à la Chambre, aux parties the chamber and the et au public and que the vous êtes constitué partie civile suite à la disparition de votre mari, Ross Sarron, à S21, at S21 que votre constitution and de partie civile a été admise par les co-juges d'instruction le 6 septembre 2010. Et je voudrais citer une phrase de votre déclaration de partie civile pour que les parties et le public comprennent un petit peu votre histoire et le point de départ de votre histoire. Et puis je vous laisserai la parole. Je me réfère au document E3/5040, ERN en français 00563643643. En Khmer 00807822, en anglais 00793832826. Et vous indiquez ceci dans cette constitution de partie civile, et je vous cite, je lis ce que vous avez écrit. En août 1976, mon mari, mes trois filles et moi, de Paris, from Paris, nous étions rentrés au Cambodge dans le but d'aider à reconstruire notre pays appauvri par la guerre. Je voudrais donc, Madame Ross, que vous expliquiez à la Cour dans quelles circonstances vous, votre mari et vos trois filles êtes rentrés au Cambodge, dans quelles circonstances votre mari a disparu, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes constitué partie civile, et si vous pouviez décrire à la Chambre le préjudice et les souffrances qui ont découlé de la disparition de votre mari, souffrances que vous avez vécu harm that pendant you le régime du Kampuchea démocratique, mais aussi après la fin du régime et comment regime, la disparition de votre mari a affecté votre vie jusqu'à ce jour. Donc je vous laisse today. La parole, je sais que vous avez beaucoup de choses à partager avec la Chambre. Je me rassois. And I will sit down. Civil party, thank you. La partie ville, merci. My family and I Ma returned et moi to Cambodia sommes rentrés au Cambodge on 6 August 1976. When we arrived at Quand nous sommes arrivés à Pochentong, we were disappointed. Nous avons été déçus. Because I did not see any families or people coming to receive us at the airport. Nous accueillir à l'aéroport. And when we traveled along the road, it was quiet. Sur la route, tout était calme. I felt worried. I was sad. Ça m'a semblé étrange. All the way until we were dropped at J'étais triste. K-Office 15. Jusqu'au moment où nous sommes at K-Office arrivés 15. Au bureau K-15.
I saw friends, là, especially two elder men, j'ai vu des amis, en particulier deux hommes d'un certain âge, a few months que j'avais rencontré quelques mois returned to Cambodia. Avant leur retour au Cambodge. I saw them, their physical body were very thin, j'ai remarqué and qu'ils they wore étaient all torn clothes, et qu'ils portaient and des vêtements their, en their appearance lambeaux. Looks very upsetting to me. J'ai été bouleversé en les voyant. They smile en nous dryly voyant, at us, ils nous ont adressé un sourire terne. Through their facial experience, I can see, I could see their de suffering. Par leur expression, j'ai pu deviner la souffrance. A little while later, I saw my sister, who was also in their office. J'ai vu ma sœur qui était aussi my au bureau. Entered the country 6 or 7 months before me. Elle était rentrée au pays 6 ou 7 mois avant moi. She also smiled elle at me. Elle aussi m'a adressé un sourire. But that was an unusual smile. Mais c'était un sourire it reflected pain and suffering in her. Douleur et souffrance. Immediately I saw her, I asked her à peine l'avais-je whether vue, she met our parents je lui ai demandé si and elle avait our rencontré relatives. Nos parents et d'autres membres de notre famille. She shook her head and elle a secoué said la that tête she did not meet any one of them. En disant n'avoir rencontré personne. And at K-15, that we spent about 1 month there, nous sommes restés environ un mois à K-15. We were relocated to ensuite, Talay. Nous avons été transférés à Talay. At that time, à ce moment, I was very sad. Je me suis senti très attristé. Never thought that my country jamais would plunge into that situation of perpetual quietness. Plongerait aussi bas, tomberait aussi bas dans un état de calme perpétuel. And when Anka relocated us to quand Talay Camp. Nous a transféré au camp de Talay. My family, along with my children, worked separately. One day, nous avons while travaillé we were séparément. Working, les différents membres de ma famille ont été séparés. The chief of Talay Camp's un jour, office. Le chef du bureau de Talay came to tell my family to prepare est venu our luggage dire à ma famille que nous devions préparer nos bagages be sent out parce que nous allions Lamprata, être envoyés and the Lamprata was en Lambretta. Et la Lambretta, nous a-t-on dit, nous attendait. At that time, I saw another man who à was also my friend, j'ai vu une autre personne, and some other people un whom qui I did était not know, mon ami, et d'autres personnes que je and ne connaissais as for pas. My family, which included 5 members, quant à ma famille composée de 5 personnes, and each of us carried a luggage of clothes, we could not get inside that small car. Nous ne pouvions pas tous entrer dans they cette petite voiture. Of the office told us that some of us le chef would, du bureau go later on. Nous a informé que certains d'entre nous effectueront later on, I saw a le voyage plus tard. Jin par Lane, la suite, j'ai vu une personne appelée Chen Lei, whose name also appeared later on at the tour slang, dont le nom est apparu plus tard à tour slang. Body trembled. Mon corps frémissait. And I thought back to the time that if we could fit into that vehicle, then the 5 of us. J'avais pensé que si nous pouvions tous les 5 entrer dans ce véhicule, would have been put in tool's slang. However, this information I learned later. Tool's slang. Cette information, je l'ai reçue plus tard. By mid November 1976.
à la mi-novembre 1976, Ankara my family a une fois de plus déporté ma famille à Bang Trabek. There, the physical appearance of my husband became worse. He became even more emaciated. Physique de mon mari. And his health got worse. Empiré. That's due to insufficient food. Sa santé s'est détériorée davantage. And he was a member of a team that had to work harder. That is to dismantle houses. Qui travaillait dur au démantèlement des maisons. I felt so pity. For him. J'avais tellement pitié de lui. And in around mid-December 1976, vers la mi-décembre 1976, while we were in the middle of a political study session, en plein milieu d'une séance de formation politique à Bang Trabek, my husband rushed to me to tell me that he was assigned by Ankara to perform a duty, and I asked where he was assigned to. And he told me that it was a secret, and Ankara did not tell him where he would go. Que c'était un secret. And before he left, et l'Ankara ne lui dirait pas où il allait. Advised me to avant de partir, work harder, il m'a demandé de travailler beaucoup plus to dur, look after myself, de prendre soin de moi-même and to look after our children. Et de nos enfants. And he said that, don't worry, that we would meet il a ajouté, again ne t'inquiète pas, soon. Très bientôt, nous serons à nouveau réunis. I felt so pity upon hearing those words from my husband, and I expected to see him lorsque again j'ai entendu soon. Ces paroles de mon mari, et j'espérais le revoir bientôt. At that stage, I was so worried since he was separated from me. I felt so lonely. Car nous étions séparés. However, je me sentais seule. I also had an expectation. That je he would be assigned to work in a new place and that he would be fed sufficiently. À un nouvel endroit and that pour the y travailler et qu'il bénéficierait more abundant than de where rations he had, alimentaires suffisantes. And the work was not that harder, que dans ce lieu, comparing il y avait abondance de nourriture assignment, that is et le travail n'était pas and to dismantle houses. Aussi dur que celui qu'il effectue actuellement, however, qui consistait in à démonter reality, des maisons. It was different. Mais his la réalité last words that we would meet again never realized. Ces dernières paroles it had qui gone étaient, with the wind. On se retrouverait bientôt, ne se sont jamais matérialisées. Elles ont été emportées par le vent. My feeling after that was unsettling. I was still hoping to see my husband. J'étais incertaine again. Après cela. However, mes sentiments from one étaient mitigés. Day to the next, he je never m'attendais reappeared. Toujours there was no à revoir signs mon that mari. He would appear. Mais il n'a jamais réapparu. One day, il n'avait aucun signe qu'il puisse réapparaître. Un motorbike. Jour, un homme est venu dans le camp that is to a à bord d'une camp, mobilette au camp de Bang Trabek. J'ai entendu des gens dire que c'était le secrétaire de Ing Sari. I tried to go and see him to ask him about my husband. Je suis allée le voir pour and demander des nouvelles de mon that, mari. Don't worry. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. L'Anka réunira les maris et leurs fulfilled épouses his assigned duty. Après que and le mari ait effectué les tâches had qui lui ont été again confiées. Upon hearing that. And I kept on ces paroles waiting ont and waiting ressuscité de l'espoir en moi. Was working, j'ai attendu et attendu and every tout en time travaillant. There was a movement of vehicle, et chaque fois entering qu'il y avait the camp, un mouvement de véhicule to qui entrait dans le camp, j'essayais de voir returned. Si mon mari était revenu. And
I kept waiting and waiting. Je n'ai cessé d'attendre et attendre encore. But in my mind, I became more worried. Mais dans mon esprit, j'étais de plus en plus inquiète. And I kept on working hard. J'ai continué à travailler dur. Along with other people in the camp. Avec d'autres personnes dans le camp. And by February 1977. En février 1977. My children and I, along with other people, were relocated by Ong Kar to settle in at the Dai Krah Home area. Été déplacés par we were put on a motorboat at night time on nous a mis to travel to that d'un area. Bateau à moteur dans la nuit pour nous rendre dans cette région. And my fear became even worse. And that I, because I felt that I would be even more, put more distance between my husband and I. Car j'avais l'impression qu'on mettait un peu plus de distance entre moi et mon mari. I still believed that he would be assigned to a work at the Pochintong. Je pensais toujours qu'il serait affecté à travailler à Pochintong, Pochintong étant Airport donné qu'il avait été le directeur de l'aéroport de Pochintong. He went for a doctoral study in France. Avant d'aller effectuer des études en France. And at the Ecrohome, I tried to work as hard as other workers, and I never expressed my sorrow through comme my tout le monde, expression. Sans faire part de mes sentiments, sans exprimer ma tristesse. Sometimes while I was clearing parfois, grass at the beans plantation, quand je défrichais les herbes dans la plantation de haricots, j'entendais over, le bruit d'un avion and upon hearing that, au-dessus de ma tête. Tear dropped. Et des larmes me montaient aux yeux. Since it reminded me quand of j'entendais the ce time bruit, that we were together, cela me rappelait le temps où j'étais avec mon mari. Were on a plane together, où nous étions ensemble dans un avion. And occasionally at Dai Krah Home, the chief of the de temps en temps à Dai Krah Home, le chef du camp called some people whose husbands were separated avait convoqué des personnes qui avaient été séparées de leur out of mari the office pour qu'ils soient déplacés. And among other people, hors du bureau. I felt happy for them since we believed that they were being sent to reunite with their husbands. Car on pensait and I did not know when my turn would come. Pour être réunis avec leur mari, je me demandais quand viendrait mon tour. To me. Quand est-ce que l'encart le ramènerait à moi? I felt rather hopeless because some other people were sent out to reunite with their husbands, but I was still waiting for my husband to return. Retrouver leur mari, tandis que moi, j'attendais encore que le mien revienne. And my feeling became even more unsettling by that time. Et je suis devenue beaucoup plus bouleversée à cette époque. Then I decided to ask the director of the Dai Krah Home camp as to when I would be allowed to go out quand to est-ce que je serais meet autorisée with my husband. À sortir pour rencontrer the response given to me was the same as mon the response given to me while I was at Bang Trabai camp. Qui m'a été donnée était la the même chief said, don't worry, sooner or later de Bang Trabai, I would be dit, ne t'en fais pas, reunited tôt with tard, my husband by Ong Kar. Ong Kar it was the same response avec ton mari. The same response that I received while I was at Dai Krah Home. C'était as la well même as at Bang Trabai. Que j'ai reçue à Dai Krah Home et à Bang Trabai. J'ai donc attendu et attendu encore. And the concern and the worry remained with me all the time. Les inquiétudes and ne m'ont pas once in a while at Dai Krah Home camp,
de temps en temps dans le camp des crânes. Un véhicule arrivait. Every time I felt excited that I would see my husband. Chaque fois, j'étais excitée à l'idée de revoir mon mari. My children, they were also anxious to meet their father. Étaient également excités à l'idée de revoir. But every time when everybody got off the vehicle, there was no sign of my husband. Mais lorsque les personnes débarquaient des véhicules, il n'y avait aucun signe de mon mari. And the worry lingered on with me constantly. Ces inquiétudes ne me quittaient pas. And while I was at the Dacre home, pendant mon séjour à Dacre home, my younger sibling contracted malaria. Mes frères et sœurs ont contracté la malaria. Le paludisme. And she was always carried by people to be treated. Elle a she dû être portée malaria, par des gens pour recevoir des soins. Elle était enceinte. The scene was so miserable. Et atteinte de malaria. However, later on, au point d'être alitée, cette scène delivered her baby. Était des plus misérables. Plus tard. Elle a donné naissance and, à son enfant. It was a cesarean delivery. Par césarienne. Although there was no hygiene involved in the operation. Même si lors de l'opération, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées. Sometimes I felt a bit relief upon seeing my Parfois, youngest daughter, who was placed in a children's unit, à la vue de ma jeune fille placée dans l'unité des enfants, qui secrètement courait vers moi. And sometimes he came with some food and Parfois fruit venait that avec he was given at the children unit, and she gave me the food. Qu'on leur donnait à l'unité des enfants. And the children et unit they were fed with more food than à l'unité at des our enfants, location. Ils disposaient de davantage de nourriture. And in 1978, we were transferred by Anka from Dacre Home nous a transféré de back to Bantrobait. So that was the second time that I was at Bantrobait. C'était donc la deuxième time, fois que je séjournais à Bantrobait. La première fois, nous étions tous réunis, back to Bantrobait, mais lors du deuxième we déplacement without the presence à Bantrobait, of my j'étais toute seule, sans mon mari. And we lived there for nearly a month. Nous y avons vécu pendant un mois environ. That is for the first trip, and for the second return to Bantrobait. Le premier déplacement à Bantrobait. It reminded me of the first time that we La arrived at Bantrobait, that we arrived together je me suis with my husband. Ma première visite dans cette localité avec mon mari. But he was not around for the second trip to Bantrobait. Mais il n'était pas là lors de mon deuxième séjour. Again, à Bantrobait. I felt so lonely. Je me suis sentie tellement seule. And the concern that remained with me. Cette tristesse, cette préoccupation ne m'ont plus quitté. And the living conditions in the camp was miserable. Les conditions de vie dans le camp and I questioned myself, étaient délétères. How could I left France, je me suis demandé where we lived comfortably, comment est-ce que to je pouvais to live quitter in la France a miserable condition. Où j'avais une vie confortable pour venir vivre dans la misère. Je pensais à beaucoup de choses. That I also were separated from my parents and J'ai également été relatives. Séparée de mes parents et des How membres come de ma my famille. Life became so miserable? Comment ma vie était-elle devenue aussi misérable? And by January 1979, when UN troops 1979, liberated Phnom Penh, lorsque les troupes those soldiers ont libéré fled Phnom Penh, away.
Ces soldats ont pris la fuite. And that was the times that I, along with my younger children, moi, as well as my mes plus jeunes enfants, younger sister and her family, remained living cadette, in Phnom Penh for a period famille, of time. Nous sommes restés vivre à Phnom Penh pendant une certaine période. I was living with my three children like a widow. Avec mes trois enfants comme une veuve. And hopes to see my husband disappeared. Et l'espoir de revoir mon mari s'est envolé. I tried to collect myself. J'ai essayé de reprendre mes esprits. To do everything for the sake of the future of my children. Et de consacrer mes efforts à assurer l'avenir de mes enfants. Then the ministry of education invited me to ensuite le ministère de l'éducation attend a m'a invité study session to à learn une séance how to read the Khmer language pour apprendre à lire le Khmer. And I was thinking that the war had just ended. Je pensais que la guerre how could the people venait de se think terminer about education, about reading the letters. Alors, what we were all thinking was how to survive, est-ce how to feed ourselves. À l'éducation, à l'alphabétisation. And while I was at that political school, allow me to say that it was a political ce school, à quoi nous pensions, c'était se nourrir correctement. The trainer lorsque j'étais à cette séance de formation took us politique, to visit a genocidal museum nous of Tuol Sleng. Le musée pardon de Tuol Sleng, le while musée I was du génocide there, I walked around visiting each room. Une fois là-bas, j'ai visité chaque seeing chambre, those, torture chaque pièce. Instruments. J'ai vu des instruments de torture. I saw a lot of things there, and I do not want to describe them again. J'ai vu beaucoup de choses que je n'aimerais pas décrire. And finally, I went to a room where photos of prisoners were displayed. Où des photos de prisonniers étaient affichées. That was the times that my pulse was rising. C'est à ce moment-là I tried to screen every single photo displayed. J'ai examiné chaque photo affichée. And I saw amongst those photos some people that I knew. Et parmi ces photos, j'ai reconnu des personnes que je connaissais. And finally, I saw a photo finalement, of my husband. J'ai vu une photo de mon mari. It was there, and I wanted to cry out loud. Elle était là. Et j'ai voulu crier. I almost fainted. À pleine voix. Je me suis presque évanouie. However, there was a voice telling me not to toutefois, une voix cry me disait de ne pas pleurer, collect myself. De reprendre mes esprits. I then regained my strength. J'ai donc repris des forces. And from that day onward, I told myself that I could not live in a country in such a condition. Que je ne pouvais vivre dans un pays qui se trouvait dans un tel état. And that I had to do my best for the future of my children. Since they no longer had a father, à mon pouvoir pour assurer l'avenir and de they mes enfants, relied étant donné entirely on qu'ils n'avaient me plus de père et dépendaient totalement de moi. Their mother
leur mère. I had to try everything in order to feed Je my devais children. Tout faire pour nourrir mes enfants. Everybody looked sad after the visit to the place. Tout le monde avait l'air triste après la visite à cet endroit. I became worse. I no longer had any hope. Mon état s'est détérioré. C'est alors que j'ai pris la décision de migrer ailleurs ou d'aller en France. Interpreter cannot hear the statement properly. Les interprètes n'arrivent plus à suivre la déclaration du témoin. Monsieur le Président. Yes, Litkolaya, you have the floor. Nous n'avons plus le président. Vous avez la parole, Madame. We don't Nous have n'avons any plus more de traduction. Interpretation en français, en tout cas. Into French, at any rate. I think it was because the quality was so bad. Depuis l'intervention inaudible de la juge Fens, la qualité de la transmission est extrêmement mauvaise. Pour l'instant, c'est coupé. President, le président. There is a technical problem with the internet connection, and please wait a few minutes until a new connection Internet will be established. Veuillez patienter quelques minutes, le temps de rétablir la connexion. Oui, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je souhaiterais peut-être vous permettre à Madame Ross de conclure sa déposition et de laisser la parole aux autres parties, peut-être lui présenter la photo de son mari qu'elle a jointe à sa constitution de parti civil. Madame Ross, j'espère que nous aurons la possibilité technique de vous présenter ce document à l'écran. Donc vous avez joint une photo de votre mari à votre constitution de parti civil, donc E3/50/40, et avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous souhaiterions afficher à l'écran cette photo à l'ERN 008-07825. Yes, your request is granted. Oui, vous y êtes autorisé, c'est le président. De notre côté, a priori, nous avons fait le nécessaire. We believe that for our side, we have done what is necessary. Donc,
Peut-être pour avancer, je peux vous poser une question. On va faire comme ça, Madame Ross. Vous avez joint à votre constitution de partie civile une photo qui est... on la voit. J'espère que vous la voyez à l'écran. Pouvez-vous identifier votre mari sur la photo que vous voyez à l'écran? Photo of the man on the second row. La photo de la personne qui figure à la deuxième rangée. Counting from the left. À partir de la gauche. There was a photo with a white patch. Il y a une photo avec une étiquette blanche affichée sur la chemise. Je veux parler de la deuxième photo sur la deuxième ligne à partir de la gauche. C'est la photo de mon mari. Je vous remercie. Je voudrais vous montrer un autre document qui est une liste de prisonniers de S21. Et je me réfère ici à la liste E3-98-53. Et avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous aimerions l'afficher à l'écran pour que la partie civile indique si elle reconnaît le nom de son mari. E3-98-53. Oui, vous êtes autorisé. Madame Ross, sur cette liste, vous voyez un certain nombre de noms. On this list, we see a series of names. Des personnes provenant de France. Names of persons who came from France. Reconnaissez-vous le nom à la position numéro 6? The name in number 6. I do not see that list. Je n'arrive pas à voir cette liste. Vous ne la voyez pas à l'écran? You don't see it on the screen? Maintenant, je la vois. The name is Ruh Saran. Le nom, c'est Ruh Saran. And the name is highlighted. It's Nihan Jamran's name. And of course, that is my husband's name. Ce nom est surligné. Et c'est le nom de mon mari. Je vous remercie. Thank you. Près de Hot Chamron. Il est indiqué sur cette liste que votre mari est entré à S21 le 12 décembre 1976, c'est-à-dire quelques semaines après la dernière fois où vous l'avez vu à Bangtrabek. Qu'est-ce que cette information vous évoque, vous qui avez espéré le revoir jusqu'à la fin du régime et jusqu'à cette journée de 79 où vous avez vu sa photo à S21? I last saw him. Je l'ai vu pour la dernière fois. When I realized that he was at S21, I had no more hope. Et because it was the place where people were brutally executed. J'ai perdu tout espoir, car je savais qu'à cet endroit, les gens étaient exécutés. I could not imagine how harm and suffering and torture inflicting upon him before his death. Quelle souffrance, quelle torture il avait pu endurer
equipment I saw at the prison. En effet, they were à la prison, j'ai vu cruel, des outils, brutal equipment servant à infliger un traitement cruel. When I saw his photo, I imagined quand about sa photo, the torture and suffering inflicting upon him. I did not witness it myself, but je I could draw the conclusion témoin, from the equipment I saw at the prison. En voyant ces outils dans la prison. Je vous remercie, Madame Ross. Thank you, j'en ai Ms. terminé, Ross, Monsieur le Président. Et je cède la parole questions à mon, and I will give the floor mon frère des bureaux des co-procureurs. My colleague from the co-prosecution office. Le président. Merci, maître. President, la thank parole you, est à l'accusation. Counsel, and the floor is given to the co-prosecutor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, bonjour, Mr. President. Madame Good afternoon, Ms. Ross Chuor Siy. J'ai quelques questions I have à vous poser. A few questions to put to you. I won't be that long temps. Because we do not have that much time. My first question is, vous étiez en France since avec when votre were you mari, in France with your husband? Au moment où vous avez décidé de How long had you spent Cambodge in France with your husband before you decided to return to Cambodia on 6 August 1976? How many years had you been living in France then? I met him in 1972 and je we remained each other until 1976. So it was 4 years in total that we spent jusqu'en together. 1976. Au total, nous avons donc passé 4 années ensemble. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait été directeur de l'aéroport de Pochentong, the airport or of the airline. Pourquoi a-t-il quitté le Cambodge Why pour aller en France? Leave Cambodia to go to France? Vous avez parlé d'études. You Est-ce spoke que about studies. Il devait également jouer un rôle au sein de cette compagnie d'aviation en France. But was he also going to play a role within that airline company in France? At that time, he received a scholarship. À l'époque, il a reçu une bourse from the Phnom Penh government du gouvernement de Phnom Penh to pursue his study pour pouvoir aller poursuivre ses études. To get a PhD et obtenir un doctorat in aviation in France. En France, dans le secteur de l'aviation. Donc il avait travaillé. Il avait travaillé auparavant so pour beforehand, la République Khmer, he il had reçu worked une bourse for the Khmer Republic and he received a scholarship. En France, il a During pris cette his stay in France, did he take any distance vis-à-vis the Khmer Republic regime and did he start frequenting communist militants in Paris? No. When he was in France, non. He finished his study. En France, il a achevé ses études. Then he worked Ensuite, in an aviation il a travaillé company. Pour une compagnie d'aviation. It was Air Cambodge and Air France. Air Cambodge et Air France. He worked with that company. C'est là qu'il a travaillé. He worked with that company in France. En France. He represented the Khmer Aviation Company. Il représentait la compagnie d'aviation cambodgienne. Je recommence. Quels sont les éléments qui vous ont convaincu votre mari et vous de rentrer au Cambodge? What convinced your husband and yourself to return to Cambodia? Alors qu'il avait justement travaillé whereas pour he had been le working pour combattu par les the regime that the Khmer Rouge were fighting. Donc, wasn't it a risky proposition? Avez-vous décidé de Why rentrer? Did you decide therefore to return to Cambodia? When we learned that Phnom Penh Quand nous avons fell, appris la chute de Phnom Penh, we hoped that our country would be nous peaceful avons espéré again. Que notre pays connaîtrait à nouveau so la paix. He had the intention to return Son to our country était to donc help de rentrer au rebuild pour the aider country à sa reconstruction. Because our country had been en effet, notre battered. Pays by the avait été civil war. Ravagé par la guerre civile.
So when he lived in a progressive country in France, he intended to return back to the country to help rebuild the country so that the country would be progressive like other advanced countries. À faire progresser son propre pays au même titre que d'autres pays avancés. Est-ce qu'il a jamais rencontré Yang Sari à Paris? Yang Sari in Paris? Durant la période précédant la décision de revenir au Cambodge. During the period before he decided to return to Cambodia. He did not meet him personally. Il ne l'a pas rencontré en personne. Vous avez décrit votre arrivée à l'aéroport et votre déception. Your arrival at the airport and your disappointment. Lorsque vous êtes arrivé, une fois que vous avez mis le pied au Cambodge, est-ce que vous disposiez encore de droits et de libertés comme auparavant? Did you still enjoy rights and freedoms as previously? When we disembarked the plane, we had no rights to move anywhere. Nous n'avons pas eu le droit d'aller où que ce soit. Office 15. Nous avons été installés au bureau K15. C'était une sorte de centre de détention. Nous n'avions aucune liberté de mouvement. Nous ne pouvions pas quitter le bureau. Lors de votre séjour à K15, à Talay, during et après your stay à Bong at K15 at Talay, est-ce and que then vous avez at jamais, Bong Trabek, vous ou votre mari, assisté did à des sessions de formation politique political training sessions par des with your husband that were taught by Khmer Rouge cadres, and I'm thinking in particular about Yang Sari or Khieu Samphan? Which place à quel endroit are you referring to? Was it at K15 faites-vous or référence at Bung Trabaik? À K15 ou à Bung Trabaik? Je parlais des différents endroits. I was speaking about the vous different avez, places, jamais in fact. Vous-même ou votre mari dû so, assister à des séances de formation politique dans ces différents endroits? Political training sessions with your husband in these different places? At Bung Trabaik, my husband attended a meeting. Mon mari a assisté at à une réunion. For other places, pour ce qui est des autres endroits, we did not meet any upper Anka. Nous avons seulement rencontré le responsable de l'endroit en question. Vous avez évoqué le fait que vous aviez retrouvé à Bung Trabaik, si je ne me trompe pas, ou à K15 votre sœur. You found your sister again at Bung Trabaik or at K15. So was this Buni Ong Tong Hoon's wife? Yeah. Oui, yes, c'est exact. Lorsque votre mari and a été when emmené, your vous avez dit que was en taken plein away, milieu d'une you said that was in the middle of a training d'une réunion. Session est-ce que vous savez or si meeting? D'autres do you know personnes if other ont été emmenées en were même temps taken que away at the same time? Yeah. Yes. There were some who were taken along with him. Je voudrais lire un extrait de ce livre de Ong Tong Hoon's book qui porte la référence indexed E3/1713 à la page en anglais 007858504. En français, c'est à la page 140, c'est-à-dire 002880801, et en Khmer 00833111182283. C'est à la fin du chapitre 5. It's at the end of chapter 5, and he says the following. Il parle d'un discours de Pum, about the speech given by Pum, P-H-U-M, qui a
Il dit, Poum appelle d'autres Poum noms. Rosarin. Called other names. Kun Rosarin. David. Poum David. Mok Sun Kun. Mok Sun Kun. Et Chuk Meng and Mao. Chuk Meng Mao. Doivent partir. L'Ankar These people a must besoin leave. Ankar needs them. Fin de citation. End of Est-ce quote. Que ces différents noms so, vous rappellent quelque chose? Do these different Kun David. Names ring a bell. Mok Sun Poum Kun. David. Mok Sun Kun. Et Chuk Meng and Mao. Chuk Meng Mao. Do they mean anything to you? The name that I remember the most was Chuang Meng Mao. Je me souviens surtout de Chuang Meng Mao. Est-ce que vous savez si lui-même Do you know a survécu au régime if he des Khmer Rouge? Survived the Khmer Rouge regime? I do not Je know. N'en sais rien. Je vais devoir bientôt terminer. I'm going to have to complete my question Il y a soon. Cinq autres There documents are five other documents de S21 sur lesquels S21 le nom de votre mari apparaît, à part celui qui a déjà été donné par appears, Marie Guiraud. Aside from the document je voudrais that was mentioned un seul, by Marie Guiraud, I'd like to mention one single document because it provides complementary information. It's document E3/2285. C'est une liste qui it est is a list en that is entitled in English. Names of prisoners who were smashed on 18th of March 1977. Elle est signée par And this Hoare, list is signed by Hoare le 19 from mars 1977. On 19 March 1977. Et à la page en anglais And 00 at English page 0087 33361. Et en Khmer 00091182 au numéro 56 At number 56, apparaît le nom de Rosarin, we see Rosarin's alias name Mao, appear, alias Mao, venu de France, who came from fonction, France, compagnie aérienne, and his job date was d'arrivée, airline company 12 décembre manager, 1976. Arrival date 12 December 1976. Ici, il y a and here, le, la date d'exécution, the execution du 18 date, mars 1977. 18 March 1977. Est-ce que vous étiez, so, vous aviez déjà cette information, did you already lorsque have vous that êtes information passé à S21? When you went to S21. I did not get your question fully. Je n'ai pas bien saisi votre question. You mentioned that his Vous name avez dit was que son brought nom into S21 and he was smashed on 18 March 1977. Et qu'il a été exécuté so le 18 mars 1977. Ça, c'est la date que je vous ai entendu citer. Oui, c'est bien ça. Il y a un document That's de indeed S21 the case. Qui There's le a document mentionne. From S21 that mentions Est-ce que this? Vous aviez déjà appris so cette information you already, auparavant learnt, this Et information before. Par ailleurs, ici, And on lui donne le, l'alias de Mao. Est-ce que c'était un nom alias qu'on utilisait à une certaine époque pour désigner votre mari? A name that was used at one point in time to call your husband? Answer. Yes, his friends during the former regime oui, ses amis call him sous le régime Mao. Précédent l'appelait Mao. Yeah, that's what I heard from his friends calling him. J'ai entendu ses amis l'appeler ainsi. Dernière question. Last question. À Bang Trabek, quand vous êtes At revenu Bang pour Trabek, la deuxième fois, when you return for the second time, est-ce qu'il y a certaines personnes qui y habitaient, did certain people qui live ont disparu there, et que vous n'avez jamais revu par la or suite, people who were living notamment there, des personnes who disappeared que vous connaissiez and who you never saw again.
in particular si people oui, nous dire whom qui? You knew personally. And if so is the case, can you tell us who? When I came for the second time, I did not know who else died. Je n'ai pas su qui d'autre était mort. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Thank you very much for having answered my questions. M'arrêter là, merci beaucoup. I will stop here. Thank you very much. President, thank you. Merci for the prosecutor. Now I give the floor to the defense counsel for Nunchi. If you have any question to put to the civil party, and you have 15 minutes. Je vous en prie. Maître yes, Coppe, thank you. Merci, Mr. President. Monsieur le Président. Good afternoon, Madam bon après-midi, Madame la Partie civile. I have a few questions that I j'ai would quelques like questions to à vous poser. Today. Let me start by asking you, tout d'abord, if you know a person connaissez-vous named, une personne Sung Sikun, du nom de Sung, Sung Sikun. Sikun. Yes, j'ai déjà I entendu heard about the name, nom, but je connais I pas cette personne. Did j'ai not know that person. Then let me only read something to you what je vais he vous lire said about ses déclarations à propos de votre mari. The only question that I would ensuite, have for you ma seule is, question to react to what he says. Consistera à vous faire réagir à ses propos. Mr. President, I'm referring to document E3/1716, Khmer ERN 008-24620, French 002-90701, English 008-26569. He says about your husband and I quote, il parle de votre mari et je cite. Also, like me, tout comme moi, Rosarin had been Rosarin a supporter avait aussi été of un Song Gok-tan, de Song Gok-tan, a pro-Japanese nationalist leader un nationaliste and an pro-japonais et anti-royaliste. Whilst he was friendly towards Cambodian alors progressive, qu'il voyait d'un bon œil les progressistes cambodgiens. Il restait pro-taniste pendant très longtemps. And in fact, he even et en réalité, with the Lon-Nol, il a même Republican collaboré avec le gouvernement Lon-Nol après 70. Based on Khmer political lexicon compte at the time, tenu he could be classified d'après le lexique Khmer politique de l'époque, on aurait pu le qualifier de nationaliste progressiste ou encore de rose. Is that fin de citation. That would be accurate. Est-ce que cette description est exacte, à savoir l'affirmation de Sung Sikun sur votre mari? Réponse. I never listened je to n'ai jamais Sikun's statement. Entendu la déclaration de Sikun. I understand, but what question. Was your husband je a comprends. Mais est-ce que votre mari quote, était, supporter je cite, un partisan de Son Ngoc-tan? Réponse. I do not know about his past. Je ne connais pas son passé. And question. Did you know anything about your husband saviez-vous collaborating quoi que ce with, soit sur une collaboration de votre mari quote, avec unquote, je cite, Republican government le gouvernement after 1970. Républicain de Lon-Nol après 1970? Yeah.
Réponse. Yes, he worked during the Republic regime. Sous le régime de la République de l'Onol, il a travaillé. Let me move on because of the time. Question. Je passe à autre chose. Do you know, car le retour. Someone else who was in. Connaissez-vous quelqu'un d'autre? Together with you. Qui and who has a been, été à Bang Trabek avec vous et qui a été ministre des Affaires étrangères du Cambodge pendant longtemps, jusqu'au mois d'avril de cette année, en l'occurrence Hor Nam Hong. Do you know him and is it connaissez-vous correct cette that he personne was also in et est-ce qu'effectivement il était à Bang Trabek quand vous y étiez? Yes, that's correct. When I was at Bang Trabek, quand j'étais à Bang Trabek, was the chief of the Bang Trabek office, chef de Bang Trabek. And do you know question. What he did as a chief? En tant que chef, what was his, savez-vous ce what qu'il was his function as a chief? Faisait? Quelles étaient ses fonctions en tant que chef? Réponse. He was the chief. Il était chef. He divided the assignments among c'est lui qui répartissait le travail groups. Entre les différents groupes. That's what I knew. Voilà ce que j'ai su. So he was responsible for dividing il était responsable the de répartir le travail groups. Entre les différents groupes. Question. Was he also a prisoner or was he someone était-il who aussi was in un prisonnier ou bien était-il responsable en tant que chef? He was réponse. Not a prisoner. Il n'était pas prisonnier. Do you know whether question. He had any savez-vous role in, s'il a joué un rôle quelconque the decision to send your dans la husband, décision d'envoyer votre mari from Bang Trabek to de S21. Bang Trabek à S21? I do not réponse. Know. Je n'en sais rien. Question. Do you know whether he had any savez-vous other role s'il a joué the sending of prisoners to un West rôle quelconque dans le transfert de prisonniers, d'autres prisonniers vers S21? Réponse, je n'en sais rien. Question. My final question in terms dernière of, question. Of hierarchy. You said he was a chief. Vous dites was he, qu'il était chef. One of the highest chiefs, dans la hiérarchie, or était-il on top l'un des chefs suprêmes ou bien y avait-il des gens plus haut placés que lui function, dans la hiérarchie? Or was he one of the top chiefs? Ou bien était-il l'un des chefs suprêmes? Réponse. Je ne sais pas très bien. I do not know clearly about his functions. Je ne sais pas très bien quelles étaient ses fonctions. I only heard about his name. J'ai seulement entendu citer son nom office. Au bureau de Bang Trabek. Do you know question. Whether in 1979 or 1980 savez-vous he was si accused, en 1979-1980 of being il était the accomplice accusé or being, sorry, d'avoir été
complice de Yang Sari. Réponse, I do not know anything about that matter. Thank you very much, Madame Civil Party. J'en ai terminé. Je vous remercie, Madame la Partie Civile. President, thank you, merci, Maître. Now I would like to give the floor présent, to la parole the Defense Counsel for Mr. Kyo Sampan. You may now proceed. Je vous remercie, Monsieur Thank le Président. You, Mr. President. Quelques très brefs questions. A few Bonjour, very short Madame questions. Good afternoon, Ms. Ross. Une demande de précision par rapport One à ce que vous avez indiqué à la Chambre aujourd'hui. Vous avez évoqué que, à un moment, vous avez demandé, cherché à avoir des informations sur votre mari auprès du secrétaire, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé secretary, aujourd'hui, du secrétaire de Yang Sari. From Yang Sari's Est-ce que vous vous souvenez de son nom? So do you remember Yang Sari's secretary's name? People told me that His name was Sao Hong. On m'a dit qu'il s'appelait Sao Hong. I don't know whether it's true or not. Je ne sais pas si because c'est vrai this ou non. Was the name I learned from other people. C'est le nom que d'autres m'ont rapporté. The person's name was Sao Hong. À savoir Sao Hong. Et quelles sont les personnes qui vous ont donné ce nom And et est-ce que vous connaissiez cette personne name? Avant? And did you know this person before? Réponse. I heard about the name, J'ai but entendu I ce nom. Did not know the face of the person. Mais je ne connais pas le visage de l'intéressé. Vous ne le connaissiez pas avant, et est-ce que vous l'avez vu? Une fois ou plusieurs fois, cette personne dénommée Song Ong. I saw him once at Je l'ai rencontré une fois à Bon Trabaik. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie, Madame, d'avoir répondu à mes questions. Thank you, Madame Ross, for having answered my questions. Somme encore le Président. Merci, Maître. Thank you, Counsel. À présent. And Madame Civil Party, toward the end of your. Madame la Partie statement civile, of impact and suffering. Do you wish to make any further statement, or do you wish to put questions to the accused through avez-vous the president encore des of the dire, chamber? Ou bien avez-vous If des questions à poser aux accusés so, par l'intermédiaire de la Chambre? Le cas échéant, je vous en prie, allez-y. La Partie civile. Yes, I have oui. A statement to make. J'ai une déclaration à faire. The purpose of describing my life events. Si je décris ma vie. Is that in fact? C'est I pour la raison suivante. Many questions that I'd like en réalité, to answer Yang Sari. Il y a beaucoup de questions que j'aurais voulu poser à Yang Sari. And it seems that. The Khmer Rouge Tribunal proceeded rather slowly. Apparemment, and as a le tribunal result, Khmer Rouge the accused a été assez died long. Before coup, he was even l'accusé tried. Est mort avant même d'avoir pu être jugé. It was Yang Sari himself. C'est Yang Sari en personne. Who went on a propaganda for qui My expatriates living over, a fait de la propagande parmi les Khmers de l'étranger pour qu'ils rentrent au Cambodge reconstruire le pays war-torn country. Déchiré
par la guerre. And he made that appeal. Il a donc lancé un appel aux Khmer de l'étranger afin qu'ils rentrent au pays. Je me sens un peu soulagé après avoir fait ma déclaration. When I returned to Cambodia at the time, my purpose was also to meet with my parents. Mon objectif était aussi de rencontrer mes parents. And I did not even know where they were buried. Je ne l'ai pas fait finalement. Je ne sais même pas où ils ont été enterrés, si tant est qu'ils l'aient été. And my second purpose is to convey messages to the younger generations pour transmettre un message that they should learn à la jeune from this experience pour leur dire and not to fall into the tricks employed by la leçon de cette politicians et ne pas tomber who dans always les relies on the cheating people des hommes politiques that they have to judge the situation de mensonges and to be informed of their decision pour tirer à leur avantage telle ou telle situation. And from my observations, ils doivent prendre the current des décisions situation informées. In Cambodia, I could observe that murderers, and d'après allow me to use that, but murderers Cambodge, can travel freely inside the country. Les meurtriers peuvent and se déplacer librement à travers le pays. In the government. Certains d'entre eux occupent même des postes élevés au sein du gouvernement. And this culture of impunity obstructs the peaceful living of the general population. Entrave la vie quotidienne that, pacifique de la population. Also put an obstacle to their self-movement of freedom. Et fait obstacle à leur liberté. And as a result, our economic situation does not improve. À leur liberté de circuler. Tourists are et scared la to visit an unsafe country pas. Like our country. Récemment, le docteur Kemley a été assassiné. Madame Civil Party, interruption du président. You are here to make a statement Madame of harm and suffering regarding your experience, pour faire une déclaration or you can sur put les questions endurées, to the accused regarding that. Ou poser do des questions aux accusés make any questions to the accused sur ces souffrances? Civil Party? Yes, I Est-ce do. Que vous voulez poser des questions aux accusés, la partie civile? Oui. I want to know that in 1975, when Ieng Sary appeals to Khmer living overseas to return to Cambodia under the pretext of returning to rebuild the country, pour qu'il rentre au Cambodge sous prétexte de reconstruire le pays. They know that the majority of Khmer expatriates returning Est-ce from overseas killed at the Tuol Sleng. Que la majorité des expatriés Khmer rentrés dans le pays avaient été tués à Tuol Sleng. To the two accused. Ma deuxième question est adressée aux deux accusés. That is Nun Chia and Khieu Sampon. Nun Chia et Khieu Sampon. Is this? You two held a very senior position in the leadership of the Democratic Kampuchea regime. And vous what is your view on the killing of millions of Cambodian people? Que pensez-vous de l'exécution and what was your responsibility for that? Sous ce régime.
et quelles sont vos responsabilités President, à cet égard. Thank you, Madame Civil Party. Le président. And Madame Merci, Chuor Siy, Madame de la partie civile. The chamber wishes to inform you that on the proceedings vous informer on the 8th of January 2015, à l'audience du 8 janvier 2015. In response to the questions of the chamber, the co-accused reaffirmed their position to exercise their right to remain silent. Also, during that hearing, the chamber noted that the co-accused maintains their position to remain silent unless and until such time the chamber is informed otherwise. Et ce, jusqu'à ce que la Chambre reçoive notification de l'accusé ou de leurs avocats d'un tel changement de position. Also, during that proceeding, the chamber instructed the co-accused and their counsels to inform the chamber de la tenir in a timely and efficient manner should the accused resolve the waived, to waive the right to remain silent and be willing to respond to questions by the bench or relevant parties at any stage of the proceedings. À tout stade de la procédure. On the 1st August 2016, the defense counsels for Nucci and Kirsten-Pon informed the chamber that the two accused still maintains their position and remain exercise their rights to remain silent. That is document E421/1.1 and E421/1.2. Document E421/1.1 et E421/1.2. La Chambre vous fait fait of harm and suffering de votre that you claimed you suffered sur under the Democratic Cambodia regime in relation to S21 Security Center. It is now concluded. De S21. Votre and déposition touche à ses fins. And the chamber will adjourn the proceeding now and la Chambre va à présent lever l'audience. Tomorrow, that is Friday, 12 August 2016, vendredi, 12 août 2016, à partir de 9h du matin. The chamber pour will demain, hear key document presentation by the co-prosecutors and the lead co-lawyers la présentation des documents clés par le co-procureur et les co-avocats, ainsi que pour les parties civiles. Cette information est destinée aux parties et au public. Agents de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nucci et Kirsten-Pon, and have them return to attend the proceedings tomorrow, Friday 12 August 2016, before 9 vendredi, o'clock. The court is now adjourned. 12 août 2016, avant 9h, pour la reprise des débats. L'audience est levée.